Bonjour à tous, très content de vous retrouver avec cette vidéo et des gameplays exceptionnels, incroyables, extraterrestres en HDV10 avec des perfects en AQH mobile que je vais vous présenter sur les 4 premiers gameplays. Vous voyez ici défiler les villages et également à quel moment commence le gameplay. Et ensuite, on va enchaîner avec un cinquième gameplay. Donc là, c'est toujours AQH mobile. Le cinquième gameplay, c'est un... une attaque en beau la lune, très très belle attaque. Et on finira par un extra, une attaque HDV10 sur un HDV11, superbe, superbement, très très belle. Ces gameplays proviennent d'une GDC qui a opposé Vox Antica, un clan pro-GDC français, à son homologue FPC UK, pas moins que c'est le numéro 1 UK. Et Vox Antica a largement gagné presque 10 points d'avance, 115 contre 107 avec 94,78% de destruction, 35 attaques pardon, à 3 étoiles contre 29. Beaucoup ne croyaient pas à cette victoire de Vox Antica et là on voit tout à fait l'inverse, une victoire très large, nette avec une GDC amicale, donc forcément la même distribution en HDV 10, HDV 11, HDV 9, donc pas de déséquilibre de matchmaking. Bravo pour cette énorme victoire et surtout bravo pour les gameplays que vous allez voir qui sont juste énormissimes de perfect en HDV 10. Et je souhaite à Vox Antica une très bonne continuation de challenge dans leur parcours de pro GDC. On commence par le premier gameplay de cette composition AQH mobile avec le joueur Je ou GHE. Et je vous propose d'ailleurs d'aller voir ma vidéo sur le TH10 mineur qui est très intéressante avec un tuto complet. En tout cas, donc GE commence par un AQH sur le nord du village. Il déblaye sur la droite de l'écran pour envoyer ou pour diriger sa reine vers la gauche. Évidemment, c'est une attaque avec finish molos ballant, donc dans l'idéal c'est d'éliminer un maximum d'anti-aériennes et la reine également. Donc il vient de faire tomber la première anti-aérienne, la reine va se diriger vers la gauche de l'écran, ça c'est très bien fait, donc c'est ce qu'il voulait exactement. Il dépose ce roi pour déblayer un petit peu les bâtiments, ce qui va faire focus comme la reine sur ce qui est plus intéressant, c'est-à-dire à savoir l'anti-aérienne, la deuxième anti-aérienne qui vient d'être éliminée. Les sapeurs pour faire une ouverture, la reine adverse qui a été éliminée et sa reine, lui, elle va gérer le château de clan avec un poison pour éliminer le dragon et les ballons. Le roi qui rentre à l'intérieur avec la capa qui a été déclenchée. Donc pour l'instant, il temporise sur son AQH, sur le roi. En fait, c'est vraiment sa P1 puisqu'il n'y a pas de golem, il n'y a pas de boulisse dans cette composition. Donc la grosse P1, énorme P1, rien qu'avec l'AQH. Et le roi, pour l'instant, la capa de la reine est toujours dispo. Et regardez, troisième rage hein, utilisé sur la reine, car il faut absolument, absolument réussir un maximum de destruction avec cet AQH pour ne pas compromettre votre attaque. Ensuite, il envoie le seul molosse, enfin les deux molosses, pardon, de cette composition, un dans le château de clan et le deuxième qu'il y avait dans les camps, à l'opposé de la dernière antérieure restante, ça traverse le village. Et derrière, il a envoyé les ballons qui vont se regrouper tous ensemble avec le rage qui a été envoyé au début et ensuite les sorts de speed, et ça va arriver sur la dernière antérieure. Voilà, la dernière sort de speed a été envoyée et ça va faire tomber les dernières défenses et il finit par les serviteurs en grattage sur cette attaque. Les roquets de l'avant se charger d'éliminer les pièges squelettiques qui peuvent faire très mal au ballon. Dernière défense restante, c'est la Tesla. On peut voir ici hein, que les ballons vont tomber, sont en train de tomber un par un à cause des pièges squelettiques, mais il va bien s'en sortir sur cette attaque avec un très joli, perfect, énorme P1. Donc gardez bien en tête, dans cette composition, très grosse P1 est nécessaire avec la reine en AQH et l'appui du roi. On va voir tout ça dans le deuxième gameplay de Chéri, toujours avec la compo AQH mobile. On va voir ici que dans les camps militaires, il a 4 Valkyries et vous allez voir à quoi elles vont servir ces 4 Valkyries. Il n'y a pas de golem, il n'y a pas de molosse, il n'y a pas de bouliste. Dans Shadow de Clan, il y a un seul molosse dans cette composition. 25 ballons,
4 Valkyries à la QH sur la pointe est du village, en déblai avec un serviteur en haut pour diriger la reine vers le bas. Effectivement, vous avez remarqué que dans le sud du village, il y a les 4 antériennes qui sont rassemblées, qui sont très proches, très idéales donc du coup pour les faire tomber avec la reine et l'appui du roi. Et on va voir comment elle va gérer très bien les Valkyries suivi cette attaque qui va être vraiment magnifique. Voilà, il temporise, il envoie le sort d'orage sur la reine et les guérisseuses. La reine qui se dirige très bien vers le bas, elle va faire tomber la première antiaérienne. Donc là, évidemment, faire très attention à la charge en défense sur la reine. Une très belle ouverture avec les sapeurs, excellente ouverture avec les sapeurs. Regardez, il enrage à nouveau. Ça va faire rentrer la reine à l'intérieur. Il a également déblayé les bâtiments externes pour que la reine focus que sur les bâtiments défensifs à l'intérieur pour qu'elle va pas à gauche ou à droite. Comme vous le savez, la reine, des fois, elle a une intelligence qu'on ne contrôle pas. En tout cas, alors désolé pour le petit logo du Wi-Fi, une petite déconnexion qui n'a pas duré longtemps. Elle est rentrée pour détruire des bâtiments. Elle va ressortir pour aller chercher la troisième antiaérienne. On est à 34% rien qu'avec la QH. Énorme, énorme attaque. Il en paie un pour l'instant de chérie. Et regardez là, l'envoi du sort de saut avec le roi et avec qui? Les 4 Valkyries pour aller chercher qui? La reine. Mais c'est juste magnifique. Magnifique cette stratégie. Regardez ici, voilà. Le poison, la capace du roi qui a été déclenchée. La reine adverse qui tombe, l'Arx qui tombe. La Tesla qui tombe également, le souffleur, superbement joué de la part de Chiri avec l'envoi du Molosse en haut du village, puisque la reine en bas a géré la quatrième et dernière anti-aérienne. Et sur le nord, le Molosse avec les ballons en géré le reste des défenses dans la TDE. Et ça va nous mener pour finir sur un très joli perfect. Franchement, excellente stratégie, excellent skill sur cette attaque de Chei, franchement extraordinaire. J'ai vraiment adoré cette formidable attaque qui va nous mener donc vers un 3 étoiles. Bravo, bravo, énorme AQH, du skill pour faire rentrer le roi et la Valkyrie et les 4 Valkyries pour aller chercher la reine. Il avait vachement bien déblayé, franchement bravo, bravo, bravo pour cette attaque et les trois étoiles. On va pas s'arrêter, on va voir d'autres gameplay en AQH mobile qui vont être également un régal avec l'attaque de Adri sur ce HDV 10 également qui est maxé, hein, full max. Il n'y a que du full max là, à part les murs, vous allez me dire, mais bon, effectivement, mais on attaque en aérien. Donc là, vous avez donc l'arène en AQH. Il commence à déblayer, il envoie, il avait un seul bouliste hein, qu'il a envoyé en haut pour déblayer les bâtiments qui sont à l'extérieur sur la pointe nord du village. Et ça va, on va voir à quoi ça va servir. Pour l'instant, son objectif est de diriger la reine vers le nord du village. Point C atteint puisqu'elle est en train de remonter, elle va faire tomber la TDS. En le bouliste a quand même éliminé voilà, 2 bâtiments, ce qui n'est pas nul on va dire. Et on va voir à quoi ça va servir tout ça. La reine, voilà, il temporise encore sur son AQH. Il envoie le sort d'orage qui a été ciblé par un canon plus l'arc X. Ça l'a enragé. Maintenant, ça va enrager les guérisseuses. Il a anticipé les deux, en fait, enrager la reine qui va avancer d'un ou deux crans. Et ensuite, ce sera les guérisseuses qui vont être enragées. Très bien joué aussi, encore une fois, de sa part. Il remonte. Il va aller chercher le roi adverse. La reine, ici, elle est très bien centrée, hein. Comme on peut le voir, eh bien, au niveau à l'intérieur du village, qui ne peut pas être déclenché. Le château de clan a été déclenché avec donc le molosse qui sort et un ballon, le poison qui a été envoyé, et l'ouvre avec des sapeurs sur plusieurs endroits, plusieurs brèches ont été faites. Et regardez comment il déblaye en haut avec un seul serviteur. Un seul serviteur pour déblayer, il va faire tomber le mortier, la TDA finalement qui se retourne sur le serviteur qui avait quand même pas mal de dégâts, pas mal de déblayage. Il temporise encore pour l'envoi du reste des troupes. Le roi qui n'a pas été envoyé, il attend l'avancée de la QH. Voilà sur la troisième, sur la deuxième antiaérienne. Et l'on voit ici donc les deux molosses, un de, du camp militaire et un du château de clan avec l'ensemble des ballons sur la, complètement sur le sud, plutôt le sud-est du village. Le
sort de speed, un des roquets de lave issu du premier mollusque a explosé, qui a pop, deuxième speed pour accélérer l'arrivée sur la TDE, accélérer l'arrivée également sur la dernière anti-aérienne, pardon, je vais y arriver, avec le sort de speed, la reine, regarde-moi cet AQH monstrueux, AQH monstrueux, énormissime, qui a fait vraiment un ravage sur ce village, qui va être encore debout jusqu'à la fin, et le roi qui a été envoyé vraiment au finish de cette attaque, sublime attaque, encore une fois, d'Adri, avec un AQH qui a été vraiment formidable sur cette attaque qui va nous donner 3 étoiles. Bravo, bravo pour cette attaque. Et on va enchaîner avec le quatrième et dernier gameplay en AQH mobile. Donc le dernier gameplay, ça va être l'attaque de Misak avec la même composition AQH mobile. Il va commencer son AQH sur le sud du village, avant déblayant avec les serviteurs, les extracteurs d'élixir rose à la droite de l'écran. La reine, donc avec l'AQH, elle va aller chercher beaucoup de défense, le mortier, une Tesla, les 3 TDA, et surtout la reine et le roi avec cette très belle ouverture au sapeur. Sur le côté, il va envoyer son roi pour déblayer et éliminer la Tesla. Ainsi, la reine va uniquement rentrer à l'intérieur du village. Ici, elle s'est chargée d'éliminer donc le château de clan, le molosse plus le ballon, le roi qui progresse bien et il va envoyer les 2 molosses du camp militaire avec les ballons et le 3e molosse du château de clan avec également les derniers ballons restants. Il envoie un gel sur la TDE plus à l'arc X, les speeds pour accélérer l'arrivée des ballons. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va faire un très joli perfect, un soin sur les derniers ballons, ce qui va lui permettre d'éliminer la TDS et de justesse la TDE. Et l'AQH qui est toujours debout, très très belles attaques, bravo! Cette fois-ci, on va regarder 2 compositions d'attaque. Donc avec la première, c'est du Bolaloon de la part de Polo, qui attaque cet HDV 10 Bolaloon. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, on n'a pas d'AQH, mais nous avons 7 bullies dans le camp militaire, avec un molosse et 23 ballons, et un deuxième moi, je suis dans le château de clan. On commence par déblayer les bâtiments à l'extérieur. On a ciblé ici le HDV. On va faire tomber le roi. Voilà qui est tombé. On déblaye sur les côtés un maximum de bâtiments. Pour ensuite envoyer, voilà, l'un géant, 2 géants pour tanker. Le roi avec les sapeurs pour ouvrir les boulistes. Un sort de saut pour aller chercher les 2 ARX et une antiaérienne. Très bien joué de sa part. Il a essayé d'avoir l'arène adverse. Est-ce qu'elle va tomber? Est-ce qu'elle va tomber? De justesse, elle tombe avec l'appui du roi, puisque les bouillies sont allées plutôt vers le haut du village. Ensuite, il envoie le premier molosse avec le deuxième molosse et les ballons sur les bâtiments côté est qui vont progresser. Un sort de gel sur la deuxième TDE qui est vachement bien joué. Les speeds également, ce qui va permettre d'éliminer la TDE et pas mal de défense. Et on enrage sur les ballons quand ils sont une fois regroupés tous ensemble. Et ça va finir par faire un 3 étoiles. Encore une fois, avec cette compo Bolaloon, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée. Vous avez le lien dans la description ou alors en haut à droite de l'écran, avec encore beaucoup plus d'explications et un tuto complet sur l'utilisation de cette composition Bolaloon. Bravo Apollo. Et on termine avec l'attaque de Mick, toujours chez Vox Antica. Mick, alors il est HDV, vous allez voir tout de suite, HDV 10, il a attaqué un HDV 11 avec une composition à base de ballistes, de Valkyrie et beaucoup de sapeurs, et surtout un AQH pour démarrer. Voilà, il démarre sur le nord du village, il déblaye la droite de la reine avec une Valkyrie et un barbare, voilà qui est fait. Il enrage donc les guérisseuses. Pour l'instant, il va faire un AQH en essayant de faire rentrer la reine à l'intérieur. Pour cela, il envoie les sapeurs, voilà, pour ouvrir une brèche. La reine qui va aller chercher la reine adverse. La TDS vient de tomber, la TDA également. Il a enragé les guérisseuses avec deuxième rage, évidemment, pour maintenir en vie sa reine, puisqu'elle est targetée par un AX plus Molosse du château de clan. Elle vient de s'en débarrasser. Il envoie un serviteur, mais qui n'a pas servi grand chose puisqu'il a été éliminé par une bombe aérienne. Sur le sud, sur l'est, il envoie. Il a fait également une nouvelle ouverture avec un géant pour tanker et les sapeurs pour faire cette ouverture. Pour faire quoi, en fait? Vous allez voir, je pense que vous avez peut-être deviné. Il va
faire sortir sa reine. Ça, c'était vachement bien joué de sa part. Franchement, très bien pensé comme ça. Elle va pas taper dans le mur. Elle va plutôt sortir et l'enchaîne ensuite avec l'envoi des troupes restantes. Donc, à savoir un golem pour tanker. Ensuite, avec les boulistes et le roi, un géant. Ça va rentrer à l'intérieur. Ça, il a enragé deux fois. Il envoie avec la capa du roi, pardon, elle a enragé une seule fois. La reine qui s'est chargée de faire descendre une TDE. Pour l'instant, il temporise sur les Valkyries. Voilà, les Valkyries ont été envoyées avec le sort de saut pour aller directement chercher, avec l'appui d'un rage, le HDV. La reine aurait pu le faire descendre, elle aurait pu envoyer, en discutant avec lui, les Valkyries ailleurs pour aller chercher un plus grand pourcentage que les 59% actuels. En tout cas, bravo à lui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois à Vox Antica, au staff, pour le partage des gameplays. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt, de très bonnes vacances. Moi, je vais faire partir en vacances. Ça sera un petit peu le calme sur la chaîne. Et je vous dis, profitez bien pour vous reposer. La rentrée arrive très tôt. Allez, ciao, ciao, bye, bise.